le programme de jumelage entre la présidence du ministère public et son homologue espagnol. Une confirmation du statut avancé dont jouit le Royaume du Maroc vis-à-vis de l'Union européenne. Cette rencontre représentant la clôture du programme de jumelage entre le ministère public marocain et son homologue espagnol est une étape importante pour saluer l'étendue du succès de la coopération entre les deux parties dans la promotion de l'accès à la justice. C'est une occasion pour échanger les expériences et renforcer la coopération afin de développer les procédures adoptées par le ministère public au Maroc et souligner ses points forts. Ce programme est une consolidation du statut avancé qui caractérise le Maroc vis-à-vis de l'Union européenne. Et on a travaillé plus de 200, de parquet en parquet. On a fait, je pense, un bon travail. On a travaillé avec beaucoup de confiance. Et pour moi, le bilan le plus important, c'est la confiance et l'amitié qu'on a créée entre les deux parquets et que je pense qu'on doit continuer dans l'avenir. Mais nous avons un ancien parquet général autonome du ministère de la Justice et on a travaillé avec la présidente du ministère public pour appuyer son changement, le changement que maintenant c'est plus autonome et a besoin de plus de personnes avec la capacité de gestion. Pour rappel, ce programme de jumelage a été signé le 15 mars 2021. Il reflète un autre volet de la coopération entre deux royaumes voisins qui partagent des relations historiques et font face à des défis communs dans le domaine de la justice et de la lutte contre la criminalité qui nécessitent d'intensifier les efforts et d'exploiter tous les mécanismes de coopération disponibles.